Déjà à la tête d'une famille nombreuse, la chef de cuisine et gagnante de MasterChef 2010 Anne Alassane, a annoncé une très bonne nouvelle ce vendredi 15 septembre. Auprès de nos confrères de France Dimanche, la maman de 8 enfants a révélé attendre à 47 ans une 9e merveille à naître dans les prochaines semaines. Lancée dans sa confidence, la restauratrice a également révélé que ce petit garçon à venir était porteur d'une forme de trisomie. Mais cette information importe peu la maman, si est-il un bébé porteur d'une trisomie. Mais on ne sait pas à quel degré, car toutes les analyses, physiques et physiologiques, sont très bonnes. Il est en pleine forme, bouge et grossit bien. Chaque écho mensuel n'a rien révélé d'anormal, ce qui est vraiment chouette. Du coup, on verra à sa naissance. Surprise jusqu'au bout, a-t-elle indiqué. Questionnée par les journalistes du magazine sur son appréhension à la suite de ce handicap, celle qui est également déjà grand-mère de 3 petits-enfants a confirmé n'être pas inquiète même si des interrogations et des inquiétudes demeurent. « Je me suis rapprochée d'associations et parents dans mon cas. Et tout ça est très enrichissant » a-t-elle révélé. Et en ce qui concerne les « qu'en dira-t-on », la future maman n'est n'a justement que faire, le regard des gens, « je m'en fiche royalement ». J'ai toujours été libre de mes choix. Et je n'ai jamais aucun souci avec le handicap, bien au contraire, ça me touche énormément à confier la restauratrice qui avait bravé les interdits durant le Covid. Pas question donc pour la future jeune maman de gâcher son bonheur par les rumeurs et les réflexions du reste du monde. Les stars devenues maman à 40 ans et plus Anne Alassane, ce terrible drame vécu en tant que mère si Anne Alassane s'apprête à vivre le bonheur de redevenir maman, la chef de cuisine a également vécu l'une des pires douleurs possibles. À la suite d'un incendie survenu en 2012, deux de ses enfants sont malheureusement décédés. Un accident tragique et un deuil impossible pour leur mère qui avait fait part de son témoignage auprès de Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où elle avait expliqué avoir longtemps eu une forme de pudeur en public à la suite de ce drame. « Là je suis émotive, mais pendant longtemps, j'ai caché mes sentiments en dehors de la famille, je n'en parle pas avec beaucoup de gens » avait-elle raconté. Si elle a choisi de continuer à avancer malgré tout, la plaie de cette douleur reste encore béante pour elle, plus de 10 ans après le drame. Crédit photo, capture écran Instagram @anostramgram. Just